un tout petit mot sur ces deux types d'inserts pour le bois qui vont vous permettre, eh bien, en fait, de pouvoir faire des assemblages avec des vis dans le bois. Comme vous l'avez vu, il y en a deux différents. Il y en a un qui est plus un insert à frapper et l'autre qui est un insert à visser. Un des intérêts de l'insert à visser, c'est que vous avez un seul trou et que, littéralement, la vis, vous pouvez la visser dans n'importe quel sens. C'est-à-dire que je peux la mettre ici ou là. Vu que j'ai les petites dents ici qui vont s'insérer dans le bois, je peux tirer dans un sens ou dans l'autre. Alors que mon insert à frapper, qui est ici, je peux très bien le visser dans ce sens-là pour, par exemple, faire un pied réglable, mais si je veux faire un assemblage, justement pour éviter qu'il se barre, l'assemblage devra se faire toujours dos à la tête. C'est une des différences principales. L'autre différence, comme vous l'avez vu sur la vidéo, c'est le nombre d'étapes qu'il y a pour insérer l'insert à visser et celui à frapper. Une différence aussi, c'est que celui-là, même si on a plus d'étapes pour l'insert à frapper, il n'y a pas vraiment de problème de positionnement. Sur celui-là, quand vous allez l'insérer à la main, si vous ne faites pas attention, celui à visser, vous risquez de le visser de travers. Donc, c'est un avantage et un inconvénient. Dernier élément, le prix. Alors, c'est des lots que j'ai achetés sur Amazon. Les deux, c'est du M8. Celui-là, c'était un lot de 50 et ça m'est revenu à 14 centimes pièce. Et celui-là, c'était un lot de 30 et ça m'est revenu à 16 centimes pièce. Donc deux inserts différents, avec des qualités, des propriétés et des assemblages différents, mais à des prix relativement équivalents. En tout cas, c'est un truc que j'adore et que je vais utiliser dans plein de mes montages pour pouvoir faire des assemblages de barjots. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu es un menuisier psychopathe et tu as vu que je ne mettais pas correctement les inserts dans mon morceau de bois, n'hésite pas à laisser des commentaires. Et pour ça, bah, tu connais la procédure, email, Twitter, Instagram, Facebook, tu laisses des commentaires dans la vidéo et bien sûr, tu t'abonnes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré à faire plein de trucs avec des inserts pour le bois. En attendant la prochaine, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude saute avec vous.